Oui, nous disons match amical, mais l'Angleterre, l'Espagne, là, pas amical pour le Brésil. Finalement, le Brésil peut aller. Bon, déjà dans la Copa América, là, on a l'impression que c'est un Ndicou comme faire violence. C'est un Ndicou, j'ai un Brésil pour aller. En attaque. Ah, mais tu as fait un attaque. Non, comme avant ça. Je m'a dit tout attaque là. Je m'a dit tout attaque là. Allez-y, commencez Copa América. Ou quand même tombé dans ça là. Ah, ouais, monsieur. Richard Lisson? Ah, pas con. Même moi, je vais tirer une forme, Richard Lisson. Oui, mais on va parler de. Je vais dire consulter un psychologue qui est vraiment bon boulot. Tout lagué dans Paul Copa América, monsieur. Non, mais. Impressionnant. Ça qui met dans ça, c'est presque parce que le Brésil va gagner. La plame, pas con. Soit le commencer Copa América. Parce que connaît Vinicius, c'est clair. C'est lui-même à deux l'autre. Si monsieur a joué dans 4-3-3. Si Dorival a joué dans 4-3-3. La prochaine Alisson. On va se faire tourner Richard Lisson. La bon, comme il y a une petite forme, il y a tourner Richard Lisson. Oui, mais on est tout là, il y a une Copa América. Qu'est-ce que Brésil tombe? Eh bien, c'est. Brésil peut jouer deux matchs amicaux. Mais c'est ça important pour lui. Parce que pendant qu'on a parlé de l'équipe qui a mouru par la meilleure forme de nos cités Allemagne et Italie, Brésil n'a pas mis tout. Brésil lui-même. Mais ça, c'est critique qui est plus dur pour lui. Brésil, le continent, côté les compétitions régionales, nous avons le Brésil inévitablement dans le titre. Et ce n'est pas l'Argentine qui peut empêcher l'Uruguay en degré moins. Tout le monde, c'est échec. C'est au toi. Pour Brésil, en fait. Comme si, ok, si l'Argentine bat tout le final, c'est échec quand même, mais comme si l'Argentine ça passe. Il va là pour l'Uruguay tout, à un moment donné. Mais depuis comment c'est Colombie. Mais parce que le Brésil, papa. Comme il y a plus d'équipes équipe dans la zone Amérique du Sud, la compétition a fait à plus d'équipes, Coupe du Monde là. Mais le Brésil, il y a deux tours pour qualification, si on n'a pas toute équipe ça. Si c'est la même période, trois équipes, quatre, il y a un bras joué. Il y a un barrage. Non, le Brésil, il y a un barrage, mais il y a là. Je pense que deux matchs sont importants pour eux. Et après deux matchs, il y a quelques bagages qui nous ont dit. Non. Pour l'équipe Brésil, comme si il est clair. Parce que papa, il est attendu dans trois mois de compétition. Si, nous avons l'idée claire qui 11 Brésil cap mettre pour Copa América parce que Brésil vraiment c'est nation baltan même personnellement parce que compétition ça a 2 ans au Brésil jouer Coupe du monde dans pile vérité la bien la donne vérité à d'abord pour Vinicius parce que Vinicius même c'est compétition ça pour commencer mettre Marco en Brésil pour dire si on nous ca compter sur lui dans mondial 2026 ça c'est où vérité à tout pour ligne défensive là qui est-ce nous pour aller. Parce que tu es un petit jeune qui est en Torino, qui est en Juventus. Vraiment? Bon, c'est le tapon Pigouarien. Bon, on a toujours dit à l'image de l'équipe de la Juventus, pas plus mal, mais quand même, moi, l'on Pigou équipe. Ouais, vérité pour quelques jeunes joueurs tout cap vini. Est-ce que dans 2 ans, on a pu compter plus sur les Hendrick et Mounsayo? Et c'est dans ça, Brésilien, là, c'est dans ta tournée. Bon, c'est Copa América, ça, Brésil, là, je joue là. Si on part avant mon période, il n'y a pas trop de compétition, ça, on ne valeur pas trop bali. Et je dis à Brésil, doit compter sur compétition ça pour le garder. Qui projection qu'a fait pour 2026? Je pense que oui, nous disons match amical, mais l'Angleterre, l'Espagne, là, pas amical pour le Brésil. Mais bien sûr. C'est un match amical, oui, nous tous connaissons. Oui. Mais, il y a difficulté, le match ça, ou doit prendre au sérieux. Mm. Et nous, à peine, nous avons un sélectionneur, qui c'est Junior Dorival. Mm-hmm. Nous pas gantan commencer critiquer dans un grand match ou deux grands matchs mais tout bon jan match là ka passé et moun di attention on pense oui l'Angleterre li même li ka Angé Col li pas tellement prendre au sérieux parce qu'il connaît équipe li connaît effectif li mais match football ça Brésil doit jouer un très bon match là-dedans parce que ou en crise causé au pas marcher ou à peine changer un sélectionneur Brésil va venir là pour dire ah son match amical ben distrait parce que son match qui doit Brésil doit prendre au sérieux pour équipe là commencer montrer nous ça veut et puis même si son match amical en pile monde même joueur monde dans Jose Fanatic Vinicius l'a tenu match dans mais Vinicius parce que qui s'allie jusqu'à présent gen monde qui gen en doute est-ce que nous doit compter sur Neymar est-ce que nous doit zile Neymar merci. Eh bien, pour gagner réponse à la question, c'est Vinicius qui doit sortir un match, prendre responsabilité. Li. Moi, j'ai gagné deux curiosités. Je vais regarder comment Junior Dorival a abordé
deux matchs Brésil l'Espagne et l'Angleterre l'Espagne et puis l'autre curiosité là on va regarder est-ce que nous ca continuer tant un match dans mais Vinicius et sous parce que Vinicius en 2024 là du sorti de belles prestations qui c'est Osasuna Pampelune Barcelone ou bien Gérone match grand pile qualité match Ligue des Champions tout contre Leipzig oui côté le pas quitter trop trop vide dans match côté le présent eh bien yon l'Angleterre Brésil et Brésil besoin yon résultat positif yon Brésil l'Espagne gain ou ka sorti deux matchs sa yo comme Brésil pas gagner Neymar pour Copa América eh bien capable faire fanatique brésilien confiant pour Copa América qui a privé c'est ça 15 21 juin pour nous arriver 15 ans juillet Brésil a joué premier match dans Copa América le 24 juin. Après deux matchs contre l'Angleterre et l'Espagne, il va bien pour jouer un match contre les États-Unis le 12. Après ça, il est tout entré dans la Copa América. Ça veut dire Junior Dorival qui pourrait coacher le Brésil première fois là, pas grand pile temps. Il y a trois matchs là pour courir son équipe. Ça veut dire pas de question ménager, pas de question d'attendre là. Non, c'est à fond. Il y a trois matchs. Et ça fait un match là, on est bien content de l'autre dit. Ok, c'est match amical, mais il pas de gagner rien amical. Amical là, c'est pour l'Angleterre et pas pour le Brésil. Oui, c'est clair. Et le Brésil. Dorival par exemple, pile temps là, c'est mettre l'équipe en place et puis pour voir qui gens ou ka prêt pour Copa América parce que l'équipe ça est pas louté gagner, ça gagne et pas ou t'as pas entraîné, ça gagne 4 mois, ça gagne 6 mois, ça veut dire joueur faire cap connaître. Et ça fait même Brésil va l'important pour nous suivre pendant deux matchs amicaux ça, le 23 contre l'Angleterre, le 26 contre l'Espagne pour nous qui bon ou ka arriver par rapport avec et comme des ça. Et c'est bien yo gagné. Une des meilleures sélections en Europe aujourd'hui, qui c'est l'Angleterre. C'est bien, ils ont choisi l'Angleterre. Et puis, qu'importe. Et l'Espagne, historiquement, qui rapprochait de football. Mais et puis, tout l'Espagne, où il y a tout problème avec l'île, il n'y a pas d'individualité, mais la bonne football. Je pense que c'est bien, la fédération brésilienne a choisi deux matchs ensemble. Et je me dis, il y a des gens qui ont un gros pour gagner et pour gagner un match football, ça, il relève Vinicius en junior. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Après deux matchs, on a piqué. Ce qui ça Dorival voulait faire toi avec l'équipe Brésil là. Et il y a deux joueurs tout qui nous parlent. Ouais, est-ce que il y a confirmé place pour jouer Copa América et 2024 là.